ingénieur Moreno, frère, comment y t'as semblé gonti modification sur bagayo? Parce que moi gagne une note qui sorti là, USCIS. T'as semblé conseil de monde qui t'ai pensé y a couru fait presser target système non? Y a gagne les rempli plusieurs fois pour seul monde. Est-ce que gagne conséquence qui ça va là? Ils font dire avec nous. Bien sûr tété. D'ailleurs USCIS fait clair dès le départ que n'est pas recommandé pour un monde rempli pour un monde deux fois. Tant que pour pas un premier résultat. Ça qui arrive par exemple, pour te rempli pour mon a déjà, il y a un erreur qui fait dans l'application. Il y a un résultat négatif pour vous, pour qu'à toujours retourner rempli pour mon ça. Et nous avons un monde qui arrive déjà, il y a des monde par exemple. Nous avons un monde par exemple qui est rempli en première fois, si je ne m'abuse pas, c'était le 6 janvier, il y a rejeté le 7 janvier. Il est rempli le 7 janvier, si je ne m'abuse pas, il est rejeté le 9 janvier. Et puis le 14 janvier, nous avons rempli, nous toute information correcte, malheureusement c'est mal que mal rempli. Nous avons rempli le poli, 14 avril là, les autres écrits nous, disent merci, félicitations, nous avons approuvé mon lien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour vous remplir pour le monde, que vous avez rempli pour lui déjà, malheureusement qu'il y a un résultat qui est négatif. Now, principal problème là, c'est le fait que il y a un groupe de monde qui fait comprendre que attendez, si vous avez rempli pour janvier ou bien vous avez rempli pour telle date, ou pas quoi j'aimerais pour nous, d'autres la partie en bas, vous rempli pour d'autres la capacité en l'autre. C'est comme si l'orive dans la ligne de GI et que le monde n'a été campé pour elle prendre ses outils et puis au moment où elle groupe, là, elle cherche son côté pour l'entrer dans l'immatrice de plus devant. Parce que l'Haïtien se comprend toujours intelligent. Ça veut dire que l'IT est rempli déjà, ça arrive que l'IT est rempli en janvier, il doit comme qui est rempli aujourd'hui à qui c'est mars. Il va approuver le monde à même côté, il va approuver le monde après une semaine. Pour ça, l'IT tout profite lui-même à le remplir sous prétexte que ça va inciter qu'il va approuver automatiquement. Il va être découragé par tout ça. Pour qui ça c'était? C'est parce que, je ne sais pas si vous remarquez ça bien, par exemple, pour même qui sont immigrants ici aux États-Unis, vous avez remarqué que quand le président souvent, les grands numéros là-dedans, qui soit marqué Alien Number, ou bien qui marqué A Number, ou bien qui marqué USCIS Number. Si je ne m'abuse pas, c'est un numéro de 9 chiffres. Numéro ça, jusqu'à ce que mon avis américain ici, l'ICAL n'a certificat naturalisation maintenant. Donc chaque monde qui vient ici aux États-Unis, les vient avec un Alien Number. Alien Number, ça, la suivre pour ça, pour quel que soit l'autre bénéfice migratoire que Mounsa t'avait joué. Par exemple, si Mounsa t'avait joué un monde qui va aller résidence, si Mounsa t'avait naturalisé, là, toujours gagner même Alien Number, ça. Now, l'autre même monde, ou rempli pour les deux fois, sans que l'hypocor y ait un premier dossier qui close, ou vient créer un taux uboï dans le système, là. Ou quand il y a la cause que vous approuvez Mounsa deux fois, et là, vous approuvez Mounsa deux fois, ou bien la cause que même si vous avez ça, il y a deux alien number. Parce que pour remarquer bien, l'on applique pour un monde deux fois et que USCIS comprend que deuxième monde, c'est le premier monde, l'on prend décision sur le deuxième cas, il automatiquement fait le premier cas et le premier cas, c'est un cas qui est administratif les clauses. Ça veut dire que ce sont très très mauvaises pratiques liées pour remplir pour un monde qui gagne un monde qui est rempli pour lui déjà et que juste fait un objectif pour accélérer le processus là. USCIS fait clair, non seulement en aucun cas, il n'est pas accéléré pour ces choses-là, mais deuxièmement tout, au lieu d'y accélérer pour ces choses-là, ou courir risque pour que les faire pour ces choses-là prennent plus de temps. Waouh! Bah, y a un petit crasse mélangé, ça veut dire que, monde qui t'a pensé, parce que, pile les amis qui t'ont dit ça, qui dit que t'es pour ça, si tel monde a appliqué, il prend le temps pour qu'il ne soit pas réappliqué pour lui encore, etc. Alors que, bah, elle a toujours montré, il prend dans le système, non? Qui donc il y a un suivi qui a fait. Donc ça, il est complètement déconseillé. Et je pense que il y a un monde qui est capable en difficulté pour ça. L'autre bagaille, il y a un pile monde qui a dit que tout à l'heure, moi, je fais un petit poste. Mais bien, ça, il doit faire compte. Il doit faire compte parce que. Tout à l'heure. Il y a un peu de temps. Il y a des gens qui prennent prétexte pour ne pas appliquer pour les gens, c'est parce qu'ils ne peuvent pas filer taxe. Vous dites ça, c'est pas vérité. Il n'y a pas bien encore. Premièrement, depuis hier, qui était 18 avril, là, c'est son taxe pas fini. Ça veut dire que il y a des gens qui disent le poste pour remplir. Ça ne veut pas dire que pas de gens qui ne peuvent pas remplir taxe vrai. Bien entendu, ça arrive qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas remplir taxe vraiment. Surtout par exemple, si c'est des gens qui prennent l'ARS, il y a des gens qui toujours appliqué pour une extension, etc. Ça arrive. Cependant, là encore, il n'y a pas qu'à comme argument. Parce que premièrement,
Depuis hier, majorité monde dit rempli taxe déjà parce que hier, c'est le dernier délai que l'USCIS bail pour remplir taxe. Deuxièmement, l'USCIS est clair. Chaque principe là, ce n'est pas unique document que vous êtes capable d'utiliser pour remplir pour le monde. Vous êtes capable d'utiliser un domaine YouTube pour remplir pour le monde, même pay stop que vous avez dans ce travail là, pour capable de faire l'utilisation de l'île pour remplir pour le monde. Donc, moi je dis ça surtout, c'est par le simple fait que moi je viens des mondes par exemple qui fait 15 jours, 22 jours, yo dit que bon monde cap rempli pour yo, yo qui t'en vient aller à tout dos, c'est où ma faire rempli pour moi, et puis si ça mon abayo comme argument, mon abayo comme argument que c'est ça qui pourra remplir. Donc le jour de bail est arrivé sous moi comme ça, les gens qui j'en fait mal, je ne peux pas dire mon lit de manière individuelle pour me dire cherche pour l'autre monde, parce que au plus simple au monde qu'il y a boité, mais je dis le public pour que yo monde qui sont des gens de message ça. Pour le cas qu'on ait publiquement que c'est volonté que le monde n'a pas gagné pour le remplir pour lui. Parce qu'en aucun cas, remplir ça, pas une requirement qui a augmenté, pas une obligation que l'USCIS a fait. Foula y a fait. Et foula y a fait. Pas une obligation. Ça veut dire, même d'abord, du tout que vous avez dans la main, là, c'est ça que vous payez dans ce travail-là, les travail-là, au cas de faire utilisation de lui. Et m'a dit formellement que moi-même, personnellement, moi, fait utilisation de lui déjà, et moi, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui prouve sur page USCIS. Si on montre que c'est pas que il faut qu'on remplisse, qu'il fallait pas remplir pour, on sait que le bagage est en train de remplir pour. Oh, pas de problème. Eh bien, pour me quitter, il y a espoir, ça veut dire que mon l'argent vient février, capitaine, toujours, il y a espoir toujours. Mais bien sûr que oui. Au contraire, moyen, il y a associé moi, qui tirait les USCIS salaire, tirait les USCIS salaire, pour y en a un client qui attend depuis un janvier, qui n'a pas obtenu de résultat. Et puis, Damien expliquait que, est-ce qu'on connaît que Guémoune, Venezuela, parce qu'on connaît que pratiquement c'est quatre pays dans l'Amérique latine qui fait partie du programme ça, Haïti, Venezuela, Cuba avec Nicaragua. Agent USCIS a expliqué que Guémoune, Venezuela qui remplit pour mieux depuis en octobre, qui jusqu'à présent attend le résultat, qui propose un résultat. Donc c'est juste pour dire que remplir un dossier USCIS, c'est pas juste une roche pour tirer dans de l'eau. Et que pas qu'il y ait aucun espoir qu'on va le retrouver encore. Non. Le remplir un dossier avec USCIS, automatiquement, on remplit un dossier. Même un message que vous voyez par USCIS, ça va arriver que vous répondez après 10 ans. Mais c'est certain que vous avez une réponse quand même. Pour qui ça? Parce que le remplir un dossier avec USCIS, il y a un ticket qui automatiquement créé dans le système. Et dans le genre d'entreprise, chaque groupe employé, il y a un superviseur ou bien un manager qui travaille ensemble avec lui. Et le manager là lui-même, il y a pour que lui reporte son travail. Donc, les managers là, ils ont un ensemble de tickets qui étaient ouverts devant lui. Ils ont l'autre monde qui sont sur tête, qui ont tagué lui pour que les tickets soient fermés. Donc, chaque fois que vous mettez un dossier dans le système USCIS, chaque fois que vous écrivez USCIS, il automatiquement généré un ticket dans le système là, et les gens ne sont pas dormis sans avoir pas répondre à ce ticket. Donc, souvent, quand vous êtes rempli, la meilleure solution, c'est tout simplement répéter que vous jouez un résultat dans le cas. Parce que chaque fois où vous avez USCIS, chaque fois où vous écrivez USCIS, pour essayer de demander comment ça aille, c'est plus pour retarder qu'on retarder. Parce que l'on écrit mon demander comment ça aille. Ok, on t'a supposé que vous avez un bagage pour vous. Et puis, après ça, un message qui monte, qui dit, bon non, mais à propos de tel bagage que vous avez fait pour moi, vous avez commencé à m'obliger à camper dans ce que vous avez fait pour moi. Pour m'a regarder les messages que vous voyez dans moi, pour moi, si c'est pas une nouvelle instruction que vous voyez dans moi, pour m'appliquer dans le dossier là. Par exemple, un million de monde qui se met dans le dossier et que le dossier a une erreur dans le numéro de passeport ou bien il y a une erreur dans la date de sanction, par exemple. On t'a dit que USCIS ça sur le point pour que il y arrive le dossier ça. Et puis, vous voyez un message, ça n'a rien qui n'est pas ça que vous voyez, c'est un message que vous voyez dans le simple objectif pour USCIS, quand c'est qu'il y a pour vous. Vous voyez que vous m'avez bloqué, mais il y a fait même. Ça n'a rien dit que le message que vous voyez, c'est un message que vous voyez pour que vous update un erreur pour défendre le dossier. Donc, vous automatiquement créez un retard si ce n'est pas nécessaire. Donc, si votre solution, c'est répéter jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui tombe dans le dossier pour là. Correct. Avant aller net. Parce qu'on est bail, ça. Il y a tellement de problèmes. Il y a des problèmes. On imagine que pendant la tente là, par exemple, et puis pendant que tu as rempli forme, non? C'est quoi erreur qui t'est glissé, par exemple soit dans date de naissance mon nom ou bien soit dans adresse ou bien email ou bien nom mon nom t'est gon ti fly qui on est qui pat là et puis dossier ça est-ce que yo a automatiquement annulé ou bien gen moyen pour yo informer ou pour corriger?
Non, il n'y a pas automatiquement annulé les parce que pour la simple bonne raison que USTA n'est pas connu que sous fait héros dans le monde. D'ailleurs, sous au carré les Marie-Jacques, Marie-Jeanne, mais la gagne dit que c'est Marie-Jacques, mon carré. Et pas aucun moyen, pas aucune ressource que USTA est disposé pour que les connaît est-ce que non mon ta correct ou pas. Alors, j'aime toujours dire, Mounio, il y a deux erreurs seulement qu'a fait dans l'information bénéficiaire là, qui est vraiment qu'a fait prendre un peu de temps. C'est erreur qu'on fait dans l'email là, avec erreur qu'on fait dans le numéro passeport là. Mais si c'est erreur qu'on fait dans la date qui est sans bénéficiaire là, si c'est erreur qu'on fait par exemple dans non bénéficiaire là, c'est quelque chose de très simple. Automatiquement, que vous finissez confirmer sponsor là, le bénéficiaire là arrivé dans le compte là, bien au côté que USCIS a demandé pour que les confirmer information personnelle pour assurer que toute information est correcte. Si vous avez un nom, vous n'avez pas corrigé l'erreur. Si vous avez une signature, vous n'avez pas corrigé. Si vous avez une date de naissance, vous n'avez pas corrigé l'erreur qui vient dans la date de naissance là sans aucun problème. Et avant tout, la question de correction, un bon problème que moi qui arrive très souvent, que moi je voulais ajouter pour moi publiquement. Il y a des gens qui ont plusieurs noms en Haïti. Par exemple, on a droit à relayer Moreno et Jacques et puis signature c'est Pierre. Ça veut dire que moi gagné deux prénoms ou bien moi gagné un prénom avec un panneau relayé midonyme ici aux États-Unis. On a qui s'est passé. Leur appli pour mon ça, ça arrive des gens qui ont appli pour moi. Étant donné que Haïti pas gagné un système midonyme, lui mettait Moreno Jacques là pour tous les deux prénoms. Ça arrive que le monde qui a appli pour moi, lui mettait Moreno dans prénom, lui mettait Jacques dans midonyme. Exactement. On y a qui s'est passé. Leur final prouvé ou même bénéficiaire là, leur intérêt ce processus là, leur il déposé au mandé pour qu'on vérifie information personnelle ou pas pour Moreno Jacques, ou après seulement Moreno, parce que lui seulement montre au first name là, lui pas montre au middle name là. Mais middle name là. Now, soit tenté corriger pour mettre Moreno Jacques, ou à saisir les documents voyage la sortie, lui sorti Moreno Jacques, Moreno Jacques, Jacques Pierre. Pour la simple bonne raison que c'était seulement first name là au display. Il n'y a pas de montrer au midonyme blanc. Donc, soit on tente d'ajouter l'encore, il y a un risque pour que non, pour que ça nous relève midonyme blanc sorti deux fois. Et là encore, ça va poser des difficultés pour traverser un pote là. Et ça va même arriver que son autre application pour besoin de remplir. Donc, rassurez-vous, surtout si vous avez deux noms, avant même que vous remettez deuxième nom encore, rassurez-vous ensemble avec Consora pour garantir que. Il n'est pas tout le pour déjà. Ok. Ça veut dire que le bénéficiaire là doit avoir un contact serré avec le sponsor là, ou bien le monde qui remplit pour lui pour qu'on ait exactement qui ça donné. Bien sûr, bien sûr. Il doit avoir un contact serré et surtout un pouille dans tout, parce que forme pour profiter à ajouter, on connaît. Et un grand petit plein qui vient de moi, on connaît. Il y a des gens qui remplissent pour mon lieu et qui t'a offert. Il y a des emails par yo. Au lieu de mettre un email bénéficiaire là pour message à venir jouer un bénéficiaire là, vous comprenez? Et puis email vous mettez, c'est propre email paio que vous mettez le contact. Le en tant que par exemple, la grande belle site qui en Haïti là, j'ai besoin, il était 15 yeux sous lui, et puis les on a écrit, les on monte vite sous lui, et puis ça le fait, les remplit pour vous, et puis il mettez propre email par, lui même petit sponsor, lui mettez propre email par comme étant bénéficiaire et puis le pour de la vie, c'est le jeune qu'on y a. Plus que pour de la vie, qu'on y a, on a passé dans les négociations. Vous comprenez? Nous, on n'a pas expérience. On n'a pas expérience, on va aller là. Vous avez plus jamais. Vous avez plus jamais. Plus jamais qui répondait le dossier ça. Plus jamais. Plus jamais. D'arriver déjà. Vous avez déposé. Bah, bien. Eh bien, merci, ingénieur. Bon, ami qui dit que est-ce que si on monte, par exemple, t'es sous résidence, est-ce que ça arrive à bénéficier d'un programme ça? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, les gens qui sont résidents, c'est une plus bonne opportunité pour eux. Mm-hmm. Parce que, ça bien que, à cause de questions coronavirus ajoutées sur l'insécurité qui gagne en Haïti, nous avons saisi l'ambassade la fonctionner à quantité réduite. Ça qui vient de rendre que, par exemple, il y a des gens que dossier arrivé dans Visa Center il y a 3 ans de cela, qui jusqu'à présent pour qu'on parle, ils ont rendez-vous ambassade. J'aime pas pour mentir, mais le programme ça l'aide, il y a plusieurs qui ont relevé parce qu'ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu comme ils ont relevé en pile, plusieurs résidences là. Il y a bien sûr, ils ont en pile mon résidence à un moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez un monde qui font ça, qui gagne d'autres qui dans Visa Center, ça fait longtemps, c'est pourquoi j'aime pas un résultat. Au contraire, si vous programme ça, c'est la meilleure occasion pour venir et puis l'arrivée ici pour faire ça nous relève en changement de statut. Donc là, on n'a pas besoin de retourner en Haïti encore. Interviewer, on peut juste passer interview à la CAI USCIS
il y a interview bien entendu. Mm-hmm. Et puis, on n'a pas même besoin de retourner à Haïti encore, ou juste faire un relais, un changement de statut. Il y a rempli un forme qui s'appelle 25 euros. Et puis, la paix. La paix.